Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est FinTechSB. J'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, généralement super bien, comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. On n'oublie pas, comme d'habitude, de montrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Cela me fera vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui commenceront à mettre mon code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD, comme vous avez vu au titre et nature de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir le tout nouveau pass de combat gratuitement dans la boutique Fortnite. Alors, on va simplement aller jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier skin, le skin de Optimus Prime. Du coup, voilà, n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, on n'oublie pas le petit pouce bleu. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, on va dans la boutique Fortnite, on fait soutenir un créateur. Et là, on fait rentrer le code créateur FinTechSBE. Et là, une fois que ça c'est fait, vous allez partir dans vos paramètres, juste ici. Et là, dans quête d'opinion, là, vous allez désactiver. Là, vous allez vous mettre sur appliquer. Dans recevoir des cadeaux, vous allez vous mettre sur mon serment, super important. Et là, vous allez faire le bouton retour. Vous allez partir dans la boutique d'objets. Là, vous allez faire soutenir un créateur. Encore une fois, vous allez faire accepter. Là, vous allez partir dans la boutique de V-Bucks. Vous allez cliquer sur l'achat de 2800 V-Bucks. Vous allez faire le bouton retour. Et là, vous allez partir sur menu V-Bucks. Et là, vous allez faire acheter. Il y aura l'écran noir de paiement de votre plateforme. Une fois que ça c'est fait, normalement, vous allez partir dans passe de combat. Et là, vous allez faire dans récompense du passe de combat. Là, vous allez faire voir la récompense toute première. Là, vous allez faire le bouton fermé et le bouton fermé. Et là, vous allez faire obtenir le passe de combat. Là, simplement, ça va vous mettre. Et là, vous allez faire intégrer avec le club de Fortnite. Et simplement, là, ça va vous mettre dans le club de Fortnite. Là, vous allez faire un bouton à l'arrière. Et là, vous allez faire offrir le poste de combat. Là, vous allez sélectionner un ami à vous. Et là, vous allez faire le bouton retour encore une fois. Et là, vous allez retourner au lobby de Fortnite. Là, vous allez partir juste ici dans signalement. Et là, vous allez faire signaler un bug ou un joueur. Là, vous allez faire signaler un bug, vous allez descendre tout en bas, boutique casier ou salon, vous allez cocher la case. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, vous allez cocher la case. Là, vous allez faire refaire la capture d'écran, vous allez attendre quelques secondes. Et là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Là, vous allez faire envoi du signalement IP Games, là où normalement ça sera envoyé. Vous allez faire le bouton fermé, là vous allez retourner dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Dans quête d'opinion, là vous allez bien réactiver, dans recevoir des cadeaux, vous allez bien réactiver les deux cases. Et là, vous allez faire le bouton appliquer, faire le bouton retour. Là, vous allez partir dans passe de combat, obtenir le passe de combat, acheter le passe de combat. Et à ce moment-là, vous allez faire obtenir le passe de combat avec 25 niveaux supplémentaires. Ça va vous mettre dans la boutique de V-Bucks. Une fois que ça c'est fait, normalement vous avez juste à quitter le jeu et de revenir sur Fortnite. De retour sur Fortnite, comme vous avez vu, on va être simplement d'obtenir le tout nouveau pass de combat gratuitement sous Fortnite avec le tout premier skin plus 5 niveaux de palier. Voilà, comme d'habitude, on n'oublie pas de tous s'abonner à la chaîne YouTube code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. C'était FinTech. Allez, ciao tout le monde.